Bonjour, bienvenue. Vous êtes au golf du Luberon, qui est situé dans les Alpes-de-Haute-Provence, dans le parc régional du Luberon. C'est un golf familial qui comporte donc de 18 trous avec un pitch and putt et un practice. Le parcours a été créé en 1986 et ouverture en 1988. Avant cela, c'était une bergerie qui a été retravaillée par mon père, qui était donc l'ancien directeur du golf et le propriétaire. Maintenant, nous sommes donc deux dirigeants, ma sœur Charlotte Berru et moi-même. Nous avons donc une équipe de 19 salariés à temps plein. Nous avons un restaurant avec une jolie vue sur les greens du Neuf et ainsi que sur les Alpes d'Haute-Provence. C'est un parcours technique qui est vallonné. On a à disposition une 22 voitures de golf. Donc ça peut être pour des personnes âgées ou des personnes qui souhaitent bénéficier de ce service avec donc un GPS, la possibilité d'enregistrer sa carte de score et de se l'envoyer par mail. Ensuite, nous avons également en location des chariots électriques et manuels. On a pas mal de trous qui sont en doglé gauche, doglé droit, avec une certaine distance où on peut utiliser un bois. Mais souvent, le premier coup ne va pas forcément être le drive, mais être un fer pour pouvoir ensuite attaquer sur un deuxième coup plus intéressant.